Allez, bonjour tout le monde, c'est les Cheetahmen. Salut à tous. Allez, on se retrouve pour les résultats, la récap de cette 7ème journée de la Cheetah League. Et comme on peut le voir là tout de suite avec les images du résultat, ça a été très festif. Et beaucoup de buts, notamment du côté de mon match. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, effectivement. Gilo a compté les buts avec ses talents de mathématicien. Il y a 36 buts, donc c'est. Attends, s'il y a une erreur, c'est toi qui les as comptés, donc c'est bon. Bah, regarde, 5, 7, 7, 14, 14, 19, 19, 25, 25, 28, 28, 31, 31, 30. 34, 36. Voilà, parfait. Donc 36 buts, on va commenter vite fait les résultats parce qu'il y a eu des grosses claquasses. Il y a eu des tolls, hein. Il y a eu de quoi construire des cabanes hein, sur Rook Island. On dirait qu'il y a un tsunami tellement qu'il y a de tolls partout. Allez, ça commence avec Alino qui met la branlée à Tortue. 5-0. Donc Alino qui sera ton prochain adversaire la semaine prochaine quand on va filmer le match. Je me rappelle d'ailleurs, pour match la semaine précédente, Arthur avait gagné, non, tout comme ça, je crois. Enfin, tu sais, je crois qu'Arthur avait mis une branlée et il a pris une branlée après. Enfin, c'est ça. Possible, peut-être qu'Arthur avait mis 5-0 à Bonsai. Ouais, non, bah, c'est non, pas bon ça. Non, mais bon, bref. Voilà. Oui, bon. Les mecs perdent, gagnent, quoi. Voilà, ça va vite, hein. Donc, toi, t'as fait match 1 contre Famas 1 partout. Donny t'as gagné 4-3 hein, contre Skis. Donc, c'était tendu. Il nous a dit qu'il avait fait des poteaux. Il avait marqué 3ème, comme ça. Un match assez tendax. Alex qui sombre hein, dans l'alcoolisme et les défaites. Hein, ça parce continue que, de perdre. Bonsai vient de gagner 3-2 contre lui. Bonsai qui est sur une bonne lancée, ce fumier. Ouais, tu l'as relancé, je t'ai dit. Oui, hein, fallait pas. Il t'a gagné, donc voilà. Ocelot, de toute façon, bon, ça c'est pas besoin de commenter. Voilà. PC. 6. Zelda, Riyad, le match hein, pour la 3ème place qualificative directement pour la Cheetah Champions League. Donc c'est Zelda qui l'a gagné 2-1. Il m'a dit j'ai eu un bug, je jouais sans ballon, je sais pas quoi. Riyad, il m'a dit je jouais à Marseille, donc le pauvre. Ça aussi, c'est un bug aussi, effectivement. C'est problématique. Lamastico qui a bien Lamastico. 3-0 contre Fred, donc Fred qui va rester un peu dans les abîmes avec Rude. Avec moi, vous, là, vous êtes content, c'est bien. Rude qui a fait un match minable contre Amazon, qui a gagné bien. Lille, hein. 3-0. Et Goku et Doux Jésus qui ont fait un match nul. Qui sont neutralisés en termes de dernière place. Hein, en termes de nullité. Goku, je pense que pour lui, c'est une victoire, un point. Quoi, ah, mais c'est son deuxième point. Et donc, voilà. Double son score. C'est donc, on va aller voir ça tout de suite. Tout de suite, on est impatient. Classement de la Cheetah League. On est impatient. Donc, au bout de 7 journées, sachant qu'il n'y a que 17 journées. Il y en a qui gagneront pas. Je suis désolé, il y en a qui gagneront pas. On va pas faire de fausses joies pour Noël et tout. Pas faire Maminova, mais je pense que Goku, Rude, Fred, ça, ils gagneront pas le championnat. À partir de Arthur, je pense que c'est mort déjà. Alex, même, tu vois, ce compte 10 points, ça c'est mort. Hein, Rude, Quentin, ça, je pense que 10 premiers, c'est fini là. Hein. Ouais, ça sent pas bon, effectivement. Donc, Ocelot hein, qui m'a gagné, donc il se réinstalle. Donc, il avait conforté sa place de leader. Zelda qui reprend la deuxième place. Hein. Famas qui descend d'une place, du coup. Et je l'ai tiré vers le bas un petit peu. Oui, Donit hein, qui se met toujours dans les 3-4 premiers comme ça. Azul qui refait une très belle remontée en battant donc il arrive 5ème. Toi tu descends à la 6ème place. Moi j'accroche un point, ça va. Riyad qui redescend hein. Forcément s'il perd il redescend. Évidemment. Alino remonte qui, hein. Non il a gagné donc il se stagne. Il se stagne parce que même s'il remonte comme les autres ont gagné aussi c'est tout le temps le même skills qui gagne. Donc Skills qui descend, Lamastico qui remonte, Bonsai qui se maintient et Alex qui fait une terrible chute hein. Ah oui. Il y a deux journées il était 3ème et là il est 12ème donc c'est terrible. Comme quoi on voit que dès que tu gagnes pas ton match, tu prends 3 points dans la gueule, tu cales, alors que quand tu passes un tour, ils avancent, donc c'est vraiment terrible. Ça fait 2 journées. Oui, même il a perdu la semaine dernière contre moi. Même dès que tu fais une journée de défaite, ça se voit directement, ça se matérialise tout de suite dans le classement. Donc Arthur qui redescend, Doux Jésus casse 5 points avec moi, Gérard. T'es limite relégable. On est tous les deux, on est bien, on est là, tu vois, on est juste au-dessus des relégables. 5 points quand même. Parce qu'on rappelle que les 3 relégables vont jouer sur la CTF l'année prochaine. Non, en fait, le dernier va jouer sur la CDC, la Digital Discovery Channel, là, et être sur la CTF. Donc voilà. Fred, Rude et Goku, Fred et Rude ont 4 points et notre ami Goku malheureusement a 2 points. Et on voit au niveau de la différence de but, ça commence à creuser quand même. Que Arthuit a la brique d'or, la belle, il est là à moins 13, exactement. Il a pris 23 buts. Chaud quoi, 23 buts il a pris dans la et gueule. Au niveau des top leaders, on a quand même Ocelot 25 et Famas 24. Et moi je suis le seul, j'ai 0 en différence. Toi t'es 0, toi t'es neutre, ça va, tout va bien. Ça va, putain il y en a 17, il a Ocelot, c'est un malade mental là. Donc un bon petit championnat qui quand même marque ses limites dans le sens où les joueurs, on voit qu'il y a une fracture sociale là. Ah, une grosse fracture. Pour reprendre la thématique de campagne ça commence à arriver, électorale là. De 2002, je crois que c'est 2002. Parce qu'en 2095 c'était manger des pommes. Ouais. Donc c'est ça. Donc allez, on va passer au programme de la 8ème journée qui donc proposera le match de Gino contre Alnido. Donc Skills. Oh, il y avait le tien, c'était pas mal, donc ça sert à rien de remplacer. Hein. Oui, j'ai pas remplacé. Mais non, mais c'est toujours un hommage. Mais au montage, je le remplacerai plus tard.
Alors les affiches, j'ai remplacé les dates. Oui, c'est pas bon. Alors les affiches, Skills contre Alex. Donc là, les deux doivent se relancer. Hein. Sinon, ils restent en bas de tableau. Voilà. Genre, ils restent dans la deuxième partie de tableau. Magnifique match, Hasdoun Sami. Un match Lille-Belgique là. Ça, il y aura pas trop de connexion, à mon avis. Non, là, ça va bien joué. Ça va être chaud. Je prédis un petit Lille-Anderlecht ou. Lille. Ils vont s'arranger, puis il va perdre en fait. Sami va rager. Rude va essayer de ça va être chaud. Il va se faire violer. De toute façon, moi, je mets même plus 5 euros sur route. Goku, je pense qu'il va perdre contre. Non, je pense qu'il peut se relancer parce que le Mastico il est trop irrégulier. Tu vois, il ramasse tirage, il ramasse tac. Ça va être intéressant de voir ça. Il rage kit aussi. Et Goku, il est pas bon. Et Goku, il a plus le choix. Ouais. Malgré ses screens qui nous montrent comme quoi, je sais pas quoi, il est en division 1, je sais pas quoi. C'est pas lui qui a montré ses screens. Si, c'est lui. Ouais. Non, c'est pas lui. Ce que je vois, c'est que le classement de la CTL, il est dernier. J'affronterai donc Alnino qui sera filmé. Le match qui devait être filmé contre toi, mais qui n'avait pas pu être filmé. Fabien sans off et j'annonce une victoire. Je tente direct, j'annonce une victoire. Je suis chaud, je vais prendre Madrid. Donc, avec le Bayern de Munich et Chelsea. Le récap de la semaine prochaine, il aura marqué 8-0. Enfin bon, Fred. Donit. Qui affronte le top player Donit. Donc ça va être tendu là aussi parce que Fred est dans le bas de tableau. Doux Jésus Arthuis, oulala. Un beau match aussi pour Doux Jésus, faut essayer de sortir de la crise, sinon on reste avec nous. Tu restes avec Rude et Gérard, on va jouer au billes, on va notre très grand match, Oslot Riyad. Donc ça va envoyer du bois là. Si Riyad perd, il est entre le 9-3 et le 1-3, tu vois là, ça va. Le derby. C'est Paris-Marseille. Paris-Marseille, ça va être tendu. Mais j'ai peur que. Mais faites un Paris-Marseille, mais bon, ça te joue qu'avec Madrid. Mais Real Madrid-Marseille. Ça va être intéressant. Donc voilà, au niveau des matchs de cette 8e journée, on verra. Parce qu'on a initialement on avait prévu de faire 10 journées. Ça va peut-être couper avant. Donc j'ai calculé que la 10e journée allait jusqu'au 22 décembre. Donc, ça devrait passer. Mais bon, vous serez au courant de toute façon au niveau du calendrier des matchs. Voilà. Nous on est toujours contents de faire cette petite Chita League, même si les résultats, les victoires sont pas au bout. Hein. Les 3 points ne sont pas assurés, mais bon, ça nous on s'en fout. Bon, tant qu'il y a Goku, c'est bon. Je continue à jouer. Je suis pas dernier donc j'ai quand même 4 points. Et tant qu'on n'est pas dernier, c'est bon, on continue de jouer, c'est vrai. Donc on vous remercie tous d'avoir regardé ces 3 matchs de cette 7ème journée, le petit récap comme ça. N'oubliez pas l'équipe du dimanche ce soir. Hein. Oui, avec le doublé de Charoui et je vous rappelle le premier but de Boateng de cette saison et premier carton rouge. Ou peut-être deuxième. Pas le premier, effectivement. Il a savaté. Ouais. Donc voilà, la journée 8, la semaine prochaine, on se retrouvera donc avec mon match contre Alnino, ton résultat contre Famas et les autres résultats, bien évidemment. Très intéressant. Et les nouveautés du classement. Très belle journée. Parce qu'il y a des petits litiges, il y a des petites tensions, il faut vous le dire. Il y a des belles journées. Quand tu occupes les 5 premières places du classement qu'on voit qui sont assez. Je crois que je suis 6ème, c'est pour ça que tu dis ça en fait. Voilà. Faut que je défonce Alnino, faut que je le crève là. Putain, je prends peut-être l'Inter, je sais pas, une grosse équipe, un peu plus grosse encore. On verra bien. Faut que je triche. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.